tell them to make noise, for the people here have arrested me and my family, my son. Hey, les élections présidentielles 2023 au Gabon. Abel Arr. Yali ne fout rien et il pense que les Gabonais vont le voter. Avec les poubelles partout. Mais regarde d'abord l'état des routes. Comme si on était au village. places IAI. Une semaine avant les élections. Chérie, je m'inquiète un peu pour les élections. Bébé, reste tranquille. Je gère la situation. Ibouba, prends ma valise et va partager 5000 francs à la population. D'accord, monsieur le président. Bonjour les jeunes. Notre président avait des problèmes de santé ces dernières années et il n'a pas pu travailler. Il va se rattraper au prochain mandat. Il m'envoie vous remettre cette forte somme de 5000 francs CFA chacun pour se faire pardonner. Oh, merci beaucoup, messieurs. Yali, président. Yali, président. Yali, président. Pendant ce temps, les opposants. Mes chers compatriotes, cette année ne sera pas comme 2016. Ils tirent, on tire. On va se battre jusqu'au bout. Vous, les opposants, là, samedi, on va se frotter. Le PDG, c'est la machine indestructible. On va bien se froisser samedi ici. Quoi. Comme le pays là vous appartient, non? So, je vais 5 sacs de riz et 10 bidons d'huile. Là, samedi, ils vont casser tous les magasins. Mes chers compatriotes, cette année, notre candidat légitime sera Ondossa. Bonjour, peuple gabonais. Je n'ai pas 5000 francs à vous donner, mais je vous promets le changement des conditions de vie. Président. Monsieur le président, c'est chaud dehors là-bas. Les opposants sont en train de conquérir le peuple. Demain, après les élections, tu me coupes Internet. Plus de Facebook, plus de WhatsApp, plus d'Instagram. Je vais utiliser ma dernière cartouche. D'accord, monsieur le président. Comme en 2016. Le jour du vote. Ondossa. 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 Oui, allô. Monsieur le président, tous les Gabonais sont en train de voter Ondossa. Là, c'est fort. Est-ce que vous avez déjà coupé Internet? Oui, monsieur le président. D'accord. À 4h du matin, quand tout le monde dort, vous annoncez que j'ai gagné. D'accord, monsieur le président. Pas de soucis. Général Oligui, à 4h du matin, on va annoncer que j'ai gagné les élections. Les Gabonais vont sûrement se fâcher. Je vous donne le droit de tirer sur la population s'ils boudent. À vos ordres, monsieur le président. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut que ça cesse. À 4h du matin, je vais séquestrer Iboubou et toute sa famille. Allô, quand vous allez annoncer ma victoire à la télévision, il faut dire que j'ai gagné avec 64%. À 4h du matin. Le vainqueur des élections présidentielles 2023 est Ali Bongo Ondimba avec 64%. Yes! Je t'ai bien dit que j'allais gagner. Oh, Oligui, qui te permet de rentrer dans ma chambre sans cogner? Toi, tu la fermes. Aujourd'hui, tu vas vivre ça. Tu vas voir ce que le chien avait vu en Zion. Comme tu penses que le Gabon, là, c'est pour toi seul.
tell them to make noise, for the people here have arrested me, and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now,